Votre père a disparu et ce que ça a supposé pour vous. Ma vie a été enrichie et appauvrie par les événements qui se sont passés dans la fin des années 30, et spécialement pendant la guerre civile, où mon père a été condamné à mort et finalement il a disparu. Mais il y a eu tant de drames, tant de tragédies dans les 4 années qui vont suivre, les 5 années qui vont suivre, les seules différences a été qu'il a eu tant de morts, et tant de souffrances, et tant de tortures, et tant de condamnations à mort, tant d'injustice. Et ce changement, c'était que mon père a disparu, que dans l'Espagne de Franco, où il a été condamné à mort, on ne disparaissait pas, il y avait un énorme contrôle. Et depuis là, j'étais à Moscou pour voir la Passionaria, pour voir s'il avait fait partie des brigades internationales qui guerroyaient encore dans la guérilla, enfin. Mais c'est un homme qui a disparu complètement et qu'on ne trouve pas de traces dans aucun lieu. Et par rapport donc à cette disparition, votre œuvre est quelque chose qui va toujours à la recherche de ce père? Ah ben je ne crois pas. Je crois que mon père est très présent, comme ils sont très présents tout au long de ma vie. C'est une sorte de père spirituel qui m'ont entouré, qu'il soit au surréaliste de Jean-André Breton, par la suite des gens comme Ionesco, Beckett, ou les peintres qui m'ont entouré, comme Dalí, Picasso, etc. Et aujourd'hui, des gens comme Kundera, comme Lévesque, ou comme surtout, comme ces personnes extraordinaires qui m'entourent, que je seconde, puisqu'ils me secondent dans ce festival de Terranova. D'ailleurs, ils m'appellent Terran, comme Terranova. T-E-R-A-N. Oui, vous êtes en quelque sorte la matérialisation de. J'ai un petit peu parlé. C'est, dans votre œuvre, il y a énormément de mythologie. Vous faites beaucoup référence à des personnages de la mythologie, des titans par exemple. Vous êtes assez fasciné par les titans. Mais je crois que c'est mal placé de parler des mythologies, puisque nous avons la chance que se trouve ici ma fiancée, qui est ma fiancée depuis 50 ans, même que je suis marié avec elle. Et ma fiancée étant professeur à la Sorbonne, j'ai fait un doctorat sur animaux fabuleux et la mythologie. Je suis très mal placé, je suis vraiment puisque connaisseur, je suis enchanteur, puisque enchanteur de la mythologie. La mythologie, de toute façon, c'est l'histoire des mythes. Un mythe est toujours, à mon sens, un mensonge qui dit la vérité. Un mythe est comme une oignon. Plus on enlève des couvercles, plus l'oignon est riche. Et donc, les mythes et la mythologie ont été chez moi avec un sens de frustration. Comment ça se fait que nous, une civilisation
si riche, nous avons été capables que de créer. Je ne vous interromps pas, monsieur le directeur, monsieur Mario. Je ne vous interromps pas. Non, je peux continuer. Et je suis malheureux, je te disais, cher Mario, de mon cœur, mon admiré Mario, que je regrette que dans notre civilisation, nous n'avons été capables que de faire des mythes. Notre civilisation dite occidentale et chrétienne, nous n'avons été capables que de faire des mythes. Et les mythes donc, des fausses, hein. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec cet opéra et que ma prochaine opéra à Salzbourg va être centrée sur les fausses féminines. Et avec la nostalgie de ne pas pouvoir faire une fausse. Et l'autre nostalgie, c'est que les deuxièmes mythes que nous avons créés, nous n'avons fait que des mythes, c'est terrible. Alors que par exemple, la civilisation, des civilisations étrangères à nous, par exemple comme la civilisation grecque, a créé tant de mythes. Nous n'avons été capables que de faire deux. Les mythes de Faust, du docteur Faust, le mythe de Don Juan qui commande d'une manière un peu du foco par un curé espagnol qui s'appelle Tirso de Molina, qui est créé une pièce de théâtre qui s'appelle Burlador de Séville, et que cette pièce de théâtre va donner origine au mythe de Don Juan, toujours avec les quatre personnages, et c'est profusion de symboles qui est le propre du mythe. Mais malheureusement, je ne fais pas de mythe, je n'ai pas créé un propre de mythe, j'espère que cet opéra qui sera créé, j'espère, comme nous l'a promis par Bob Wilson, nous ferons enfin ce mythe du troisième millénaire. Madame Laval, je sais que vous fumez des Havanes. Oui, je fume des Havanes et je dois dire que pour parler de la police américaine, à plusieurs reprises, j'ai caché autant que je puis mes cigares avant que j'achète, que je fume des boîtes de Roméo et Juliette. Et une des fois, ces douaniers qui se comportent toujours d'une manière très, je dirais, très élégante, toujours avec moi, même lorsqu'ils m'arrêtent, c'était très très correct avec moi. Et la première parole qu'ils m'ont adressée, c'est au bout de 4 heures, et quelqu'un a crié « Fernando ». Alors on était là, des Chicanos, des Andiens, tout d'un coup, et lui m'a demandé quelle était ma taille. Et alors, dans un de mes voyages en Amérique, des douaniers aussi très correctement m'a dit « Fernando, je vois que vous avez des cigares à balle et vous devez savoir, Fernando, que c'est interdit en Amérique d'avoir des cigares cubains. » Je lui ai dit « Oui, oui, c'est vrai, mais vous savez, vous lisez, vous voyez quelle est ma profession, si je vois que vous êtes right, vous êtes écrivain. » Alors, vous comprenez? Non, non, je ne comprends pas. Et je lui dis, oui, vous comprenez que moi j'ai besoin de cigares pour écrire. Ah, à ce moment-là, vous pouvez passer avec vos cigares. Je vais pousser un peu plus la voix. Donc je disais que Gardour a dit, Dieu est un fumeur de Havane. Comme vous fumez des Havanes, est-ce que vous auriez quelquefois des envies de vous prendre pour Dieu? C'est-à-dire, la légende a prétendu toujours, et je bénéficie de cette légende, que je suis très prétentieux, arrogante même, et que j'ai une très grande auto-estime de moi-même. C'est vrai que j'ai une auto-estime de moi-même, mais les gens qui m'ont entouré, toujours, on a eu encore plus d'auto-estime, plus d'estime pour moi-même. Déjà, lorsqu'il y avait 11 ans, j'ai gagné le concours de surdoué, et ça n'a pas arrêté de me donner des prix, comme maintenant, d'une manière complètement imméritée. Ce qui se passe, c'est que comme je n'ai fait que 7 longs métrages, oui, mais ça va sembler... Est-ce que l'on entend juste dans le fond? Vous écoutez? Vous m'écoutez? Je vais... Alors, je dirais que je n'ai fait que 7 longs métrages. Et ce sont longs métrages qui ont commencé par Viva la Muerte. Ce n'est pas des longs métrages
qui ont fait des succès extraordinaires, même des succès petits. Ils ont été pour la plupart des films cultes, pour des gens cultes. Et alors, puisque j'ai fait 7 longs métrages, lorsque j'ai fini mon 7 longs métrages, je me suis dit, finalement, je suis comme Dieu, et au 7e film, je vais m'arrêter. Et en effet, au 7e film, je me suis arrêté. Malheureusement, maintenant, je vais faire un 8e film, ce qui démentit un peu ma divinité, comme vous voyez. Disons la vérité. Nous sommes, par la force des choses, très modestes. Nous ne pouvons être que très modestes, puisque la vie, elle est ce qu'elle fait. J'ai vu autour de moi des gens qui sont infiniment plus grands que moi, infiniment plus poètes, plus artistes que moi, des gens qui avaient la lucidité d'un Beckett, des gens qui ont aujourd'hui l'intelligence, le talent, la souffrance d'un Houellebecq, et qu'est-ce que j'ai fait à côté d'eux. Mais ce que je peux dire, c'est que tous ces grands poètes, ces grands auteurs que j'ai connus dans ma vie, tous étaient des joueurs. Il y a beaucoup qui étaient des joueurs d'échecs. Mais je dirais que tous jouaient. Jouaient à être Dieu. Et des fois, ils réussissaient. Poète, écrivent-ils ? C'est une question très difficile, je crois. Oui. Mais. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas parler au nom des poètes. Je ne peux même pas parler au nom de moi-même. Je crois que nous sommes. Les peu de poètes que je connais sont hantés par des variantes de ce qu'on appelle aujourd'hui les principes d'indétermination. Ce que les classiques, Cervantes ou Shakespeare, appelaient l'ambiguïté. Et que nous, Jodorowsky, Tofor et moi, nous avons appelé la confusion. C'est cette confusion, ces principes d'indétermination, ces difficultés que nous avons à prévoir l'avenir qui fait les mathématiques d'aujourd'hui qui ne s'appellent plus les mathématiques fractales, mais s'appellent les mathématiques des motifs, c'est ces motifs c'est impossibilité de prévoir l'avenir qui nous fait, au moins, au peu de poètes que je connais, qui me semble qu'ils sont inspirés le fait d'écrire. Mais écrire se présente toujours comme une souffrance, se présente toujours comme cette impossibilité. C'est pour cela que lorsque il y a eu des procès par blasphème. Il y a un procès célèbre que vous connaissez tous, c'est Socrate qui était accusé de blasphème alors que c'était peut-être la personne qui allait mieux expliquer pourquoi existe Dieu. Et de la même manière, sans vouloir nous comparer à lui, Houellebecq et moi, nous avons eu un procès. Lui, Houellebecq, dans la France républicaine, le pays le plus libre au monde, a été persécuté, comme vous le savez, par un délit de blasphème. Moi aussi, dans l'Espagne de Franco, on ne peut pas comparer ce qui est incomparable. J'ai fait la prison, j'étais en prison et j'ai risqué 12 années de prison. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'étais en prison en Espagne pour un délit de blasphème, il y a mes collègues poètes qui se sont mobilisés pour me libérer. Et entre ces quatre, il y a eu quatre poètes qui se sont adressés à tous de vous, puisque de moi. Donc là, lorsqu'il parle de Fernando Arrabal, il faut lire vous. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, messieurs les juges, il faut libérer Arrabal des prisons, c'est-à-dire il faut vous libérer vous de vos prisons, les prisons qui consiste cette incompréhension du monde, ce manque d'argent, ces difficultés d'être édité, etc.
Il faut les éviter, dit Beckett, Samuel Beckett. Il dit parce que c'est beaucoup ce qui doit souffrir le poète pour écrire, n'ajoutant rien à sa propre douleur. Merci.